Qui a-t-il? Où est-il? Emma? Oh mon Dieu! Judith, reviens, qui a-t-il? Que se passe-t-il? Emma? Emma? Que se passe-t-il? Emma? Qui a-t-il? Emma? Que se passe-t-il ici? Emma? Pourquoi? S'il te plaît, réveille-toi! Emma? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu! Qui a-t-il? J'ai fait un terrible cauchemar. Un cauchemar? De quoi parlait ce rêve? Je ne peux pas en parler maintenant, c'était trop horrible. Ok, prions, prions. Au nom de Jésus, Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père céleste, nous te remercions. Seigneur, nous bénissons ton Saint Amen. Nom. Ancien des jours, nous glorifions ton nom. Oui, allô? Oh, allô, bébé? Waouh! Tu me manques aussi. Comment vont mes enfants? Bien, bien, bien. J'espère que Judith lit ses leçons pour son examen. Bien. Qu'en est-il d'Emmanuel? J'espère qu'il ne passe pas ses journées à jouer aux jeux vidéo. Ok. Ça, c'est mon bébé. Tu me manques aussi. Bien. Je viens juste d'appeler le directeur de l'agence du Canada. Et également, j'ai aussi appelé le directeur de Dubaï, le directeur de la branche de Dubaï, ainsi que le chef de sécurité. Oui, ils y seront bientôt au bureau. J'y vais tout de suite. Écoute, aussitôt qu'on a terminé la réunion, je t'appellerai. Parce que je pense que je dois réserver mon billet pour demain. Vous me manquez déjà beaucoup trop. Vous me manquez vraiment. Honnêtement, j'ai tellement hâte de vous revoir. J'en ai marre de rester à Dubaï. Dès que la réunion se termine, je t'appellerai. Ok. D'accord, mon bébé. Tu manques aussi. Bonjour à tous. Ouais, merci. Veuillez vous asseoir. Ouais. Soyez tous les bienvenus à cette réunion. En fait, j'ai convoqué cette réunion avec vous car, vous savez tous, je dois retourner au Nigeria demain. Tout d'abord, nous devons agrandir notre entreprise. Monsieur Emeka, j'aimerais avoir un rapport du Canada, de notre agence au Canada. C'est la raison pour laquelle je suis venu, donc je vous écoute. Oui, monsieur, en fait, le truc c'est que la situation est sous contrôle. C'est juste une rumeur qui s'est propagée et a exagérément amplifié. Mais là maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai des bonnes nouvelles. Oh wow, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Christian m'a appelé il y a 3 heures pour m'annoncer la merveilleuse nouvelle que le contrat a été approuvé. On a également reçu le rapport. Donc, nous pouvons immédiatement passer à l'action. Donc, okay. La faveur c'est une bonne nouvelle, côté. Monsieur Emeka. Oui, oui. Ok, monsieur Chima, vous êtes le directeur de notre agence de Dubaï. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la situation ici? Oui, selon le rapport et selon ce que nous avons reçu la semaine dernière, en réalité, les choses évoluent bien. Oui. Oui, comme vous le savez tous. Selon le comptable en chef et selon son rapport,
Nous sommes prêts à nous lancer immédiatement dans le business. Nous sommes prêts pour ça. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle. Mais... vous savez tous la raison de ma venue ici. D'une nouvelle que j'ai reçue. Et c'est pourquoi le chef de la sécurité... sous votre supervision, est juste ici. Avec le nouvel investissement dans lequel nous nous lançons maintenant ici à Dubaï, que pensez-vous vraiment de la situation sécuritaire ici? Monsieur, la situation sécuritaire ici aux Émirats Arabes Unis est sous contrôle, surtout ici à Dubaï. D'accord. Vous savez, l'événement à venir est un très grand événement. Ici aux Émirats, lors de l'Expo 2020. Bon, nous n'avons pas assez d'agents de sécurité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en plein processus de recrutement du personnel okay. dans la société. Ok. Voudriez-vous que j'envoie des gens depuis Lagos ou alors vous pensez pouvoir recruter des gens ici? Oui. Il y a des Africains ici? Je pense que nous avons suffisamment d'Africains ici, surtout les Nigériens, basés ici à Dubaï. Ils sont au chômage, donc je crois qu'on devrait les recruter. C'est une bonne nouvelle, ça. Et en dehors de ça, nous sommes plus que préparés pour l'événement ça, à venir. Ça signifie que nous sommes fin prêts, alors? Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Bien. Remercions Dieu pour cela. Super. Alors, je vais partir. Demain matin. Oui, je retourne à Lagos demain matin. D'accord. Je dois donc me préparer en conséquence. Donc, informez-moi. Informez-moi si jamais il y a des... manquement. D'accord, donc, monsieur. Sache quoi faire. Ok. 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 Alors, c'est à vous de leur demander de nous donner quelque chose à boire. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plutôt dans le hall? Ce serait mieux. D'accord, oui, c'est mieux. C'est mieux. Allons-y, allons-y. Oui. Oui, ce serait bien. D'accord, allons-y. Bon, mon bébé, qui avait-il dans ce rêve? Dans le rêve, papa, Emmanuel et moi regardions un film. Ok. Puis j'ai eu une envie pressante d'aller aux toilettes. Mais Emmanuel m'a suivie. Je suis donc revenue m'asseoir. Okay. Mais une fois que j'y suis retournée, quand je suis arrivée, la porte était fermée. J'ai essayé d'ouvrir la porte dans un premier temps, mais je ne parvenais pas. Une fois que j'ai réussi, j'ai trouvé Emmanuel allongé au sol. Mon Dieu. Et quand je suis revenue au salon pour avertir papa, je l'ai trouvé allongé au sol avec la gorge tranchée. Que Dieu m'en préserve. Je rejette ça au nom de Jésus. Ce n'est pas notre partage. C'est un terrible rêve. Oh Père, au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais. Amen. La Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Notre espoir et confiance sont en Dieu. Donc ce rêve ne se réalisera jamais, ok? Jésus, de toute façon, je dois voir le prêtre demain et je lui en parlerai. Oui, maman. Oh, waouh! Papa! Oh, coucou mon bébé! Oh. Bienvenue, chérie. Comment était ton voyage? Superbe. Tu es vraiment très beau. Je peux sentir un délicieux arôme parfumé qui vient de la cuisine. Oui, je fais ton plat préféré. Oh, c'est super. Attendez. Où est mon fils? Il est en train de jouer à ses instruments de musique. Où est ta comme valise? D'habitude, je t'ai dit d'éduquer nos enfants. Ils sont notre avenir.
Je sais. Et tu sais qu'ils vont diriger notre entreprise familiale quand nous serons plus là. Chérie, bien sûr que je fais de mon mieux. Voyons. Ok. Allez, on y va. Où est ta valise? Dans la voiture. Ah, va la chercher. Ok, oui, je vais à la cuisine servir le repas. D'accord, dépêche-toi, j'ai faim. Va juste faim, prendre ton bain, ok? D'accord, je vais d'abord voir mon fils. Arrête de me déranger. Comment c'est à Dubaï? Ah, tu sais, Dubaï est bien. Papa. Fiston, comment tu vas? Je vais bien, papa. Waouh. Quand est-ce que t'es arrivé? Il y a quelques minutes. J'ai trouvé ta mère et ta sœur dans la cuisine. Et elles m'ont dit que tu étais ici à faire comme d'habitude. Ok, je vois. Si tu ne joues pas à la guitare, tu joues au piano. D'ailleurs, attends. Est-ce que tu comprends que tu devrais t'adonner à tes études davantage? Maintenant, est-ce que tu as oublié? Fiston, écoute-moi. Sais-tu que ta sœur et toi êtes notre unique espoir? Car c'est vous qui allez hériter de notre empire familial. Vous êtes notre avenir. Et c'est pour ça que je veux que tu te concentres sur tes études. Je sais, papa. Donc, tu me promets de faire exactement ce que papa et maman veulent? Je te promets, papa. Ah. Je ne te décevrai pas. T'es un bon garçon. Alors, tu sais quoi? Je vais prendre mon bain et toi, tu finis ça, puis on se retrouve en bas, ok? D'accord, papa. On a des histoires à se raconter, ok? Oui, papa. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'y a-t-il? Ah, Judith. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un rêve. Judith. Non. Tu vas bien? Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Maman, c'est le même cauchemar, le même que je fais chaque nuit. J'ai refait le même cauchemar, maman. C'est le même qui est revenu. Le même rêve? Pour la troisième fois, rien que cette semaine? Oui, maman, le même. Que se passe-t-il? De quoi est-ce qu'elle parle? Chérie, elle dit qu'elle a rêvé que toi et notre fils étaient tués par un démon. Bon sang! Depuis qu'on est venu dans cette maison. Moi? Oui. Et mon Emmanuel? Allez, voyons, c'est qu'un rêve. De toute façon, demain après la messe, je dois voir le prêtre et tout lui expliquer. Ah. Mais qu'est-ce qu'un prêtre a à voir avec le rêve d'un enfant? Voyons, c'est un truc normal. Chérie, ce n'est pas un truc normal. Ce n'est pas normal. Quand je t'ai dit que tu ne dois pas acheter cette maison minable, depuis qu'on est entré dans cette foutue maison, on n'a que des problèmes. Pardon? Qu'y a-t-il? Ma fille ne peut même plus dormir. Tu traites cette maison de minable? Oui, c'est une maison minable. Ce palais, j'ai fait tout ceci pour toi et tu traites cette maison de minable? Voyons, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le rêve de l'enfant? De toute façon, il n'y a pas de problème. Demain, je dois aller voir le prêtre. Je vais tout lui expliquer. Il me donnera la solution à ce qui se passe dans cette maison. Le prêtre. Maman, le prêtre, je n'ai vraiment plus envie de dormir toute seule. Je t'assure, pour rien. J'ai peur. Calme-toi, ok? Ça va aller, ok? On verra le prêtre. Demain, rendors-toi. Ça va aller, ma chérie. D'accord? Rendors-toi. Tu penses vraiment que c'est une maison minable? Hein? Je l'ai fait pour toi. Tu rends compte? Une maison minable.
Alors, monsieur Georges. Oui, mec. Bah, en fait, j'aimerais te rejoindre. Oh, super. Vrai, tu vois, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pu tenir une réunion avec mes directeurs. Vraiment? Tu ne le croiras pas. Les choses se passent bien. Bravo. Bravo. Tu sais, quand j'ai reçu l'appel de mon directeur de Dubaï, j'ai cru que les choses allaient vraiment très mal. Mais quand je suis arrivé là-bas, tu ne me croiras pas. Les choses vont plutôt bien. Et pour ça, je te fais confiance. Ah. Portons un toast pour que les meilleures choses viennent. Certainement. Certainement. Quand je t'ai dit de ne pas acheter cette maison minable, depuis qu'on a ménagé dans cette maison minable, on n'a que des problèmes. Pardon ? Qu'y a-t-il ? Ma fille ne peut même plus dormir. Tu traites cette maison de minable ? Oui, c'est une maison minable. J'espère qu'il y a la sécurité et tout ce qui va. Il y a tout là-bas. Il y a la sécurité, l'eau, tout, l'électricité. Il y a vraiment tout là-bas. D'accord. La maison est vraiment complète. Oui. J'espère que vous n'êtes pas fâchés parce que je pose trop de questions. Parce que la sécurité dans notre pays, de nos jours, est désastreuse. Non. Vous comprenez ? Pas du tout. Pourquoi serais-je fâché ? D'accord. Vous me payez. Je travaille pour vous, vous me payez. Ce que je sais, c'est que je dois vous trouver une meilleure maison cette fois-ci. N'est-ce pas ? Oui. Monsieur Georges, à quoi tu penses ? Que se passe-t-il ? À rien. Es-tu sûr que tout va bien ? Oui, y a rien. Y a rien. Si tu le dis. Mais je soupçonne quelque chose. Non, non, non. Vivant. Très bien que je t'aime, mon fils. Tu dois me promettre d'être un bon garçon. Je veux que tu sois quelqu'un de bien. Que la paix soit dans cette maison. Ah, mon père. Oui, sœur Chinyere. Ah, bienvenue, mon père. Bienvenue, merci. Mon père. Bienvenue. Veuillez vous asseoir. Merci. Bienvenue. Merci. Ah, bienvenue. Alors, comment vous allez ? Nous allons bien, mon père. Oh, Emmanuel, comment tu vas ? Bien, mon père. Bienvenue. Emmanuel, à chaque fois que je te regarde, je vois un jeune homme, un avenir prodigieux. Bonjour, mon père. Comment tu vas ? Je vais bien. Judith, assieds-toi. Je vois un jeune homme brillant qui grandira demain et qui deviendra un homme responsable plus tard. Merci, mon père. Amen. Merci, mon fils. Alors, sœur Tignere, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, mon père. Et comment va ton mari ? Ah, il n'est pas à la maison, mais il va bien. Bien.
Sœur Cinéré, je dois te dire la vérité. Ah, je ne suis pas content de toi. Pourquoi? Tu sais, sœur Cinéré, je vois cet esprit de froideur en toi. Tu n'assistes à aucune réunion chrétienne. Toutes les activités de l'église, tu n'y assistes pas. Sœur Cinéré, c'est quoi le problème? Tu as rétrogradé. Mon père, je sais que je n'assiste pas aux réunions et aux activités, mais ce n'était pas intentionnel. Mon mari trouvait que je négligeais mes devoirs d'épouse et de mère. Donc, j'ai décidé de ne plus assister aux réunions afin de lui plaire. Écoute, sœur Tignere, je me dois de te dire la vérité. Tu ne dois permettre à personne de se mettre entre toi et Dieu. Tu es celle qui plutôt devait conduire sa famille de s'approcher de Dieu. Ne laisse personne se mettre entre toi et Dieu. Ce n'est pas du tout bien. Je t'en prie. Je sais, mon père, je sais. La fois dernière où tu es venu pour la confession, et tu m'as dit, eh bien, qu'il y avait des mauvais rêves que ta fille faisait ainsi de suite, j'aimerais bien savoir de quoi parlaient ces rêves. Je veux les écouter. D'accord, mon père, pas de problème. Emma, va dans ta chambre et joue, ok? D'accord, maman. Maman, puis-je aller rendre visite à mon ami Kevin? Une visite? Donc, tu veux déjà aller jouer aux jeux vidéo avec tes amis, n'est-ce pas? S'il te plaît, maman, je t'en prie. Ok, tu peux y aller, mais rassure-toi de ne pas mettre lent, ok? Ok. D'accord. Sœur Signoré, votre fils est vraiment tellement drôle. Si je ne le laisse pas partir, il m'embêtera. C'est ça, en fait. Alors, puis-je écouter le rêve? Judith, vas-y et raconte ton rêve au révérend. Mon père, je fais régulièrement le même rêve depuis que nous sommes arrivés dans cette maison. Et dans ce rêve, mon père, Emmanuel et moi sommes assis en train de regarder un film. Dans ce rêve, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais Emmanuel s'y rend avant moi. Mais je suis allée quand même, la porte était fermée de l'intérieur. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle ne s'ouvrait pas. En insistant, j'ai réussi à ouvrir, mais j'ai trouvé Emmanuel mort sur le sol. Et mon père avait la gorge tranchée au salon. Sœur Tinéré. Oui, mon père. Quelle peut être la signification de ce rêve? Je ne sais pas. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Ça venait de là-bas, à l'intérieur. Va regarder. Qu'est-ce que c'était? Rien de grave, maman. C'est juste une photo qui est tombée du mur. Juste une photo? Ouais. Judith, ça fait combien de temps est-ce que tu fais ce rêve? Depuis que nous sommes arrivés dans cette maison. Et le même rêve, encore et encore? Oui, mon père. Sœur Tignere? Oui, mon père. Je vois une attaque. De la part de l'ennemi. Une attaque? Oh, Seigneur, aide ma famille et moi. Mon père, qu'est-ce qu'on va faire? Sœur Tignere, votre famille devra prendre 2 semaines de jeûne et de prière. En incluant la récitation du rosaire chaque nuit. Et je prierai également avec vous. Ok. D'accord, mon père. Sœur Tignere, à la fin de ces 2 semaines de jeûne et de prière, ok, nous viendrons ici. Je serai présent pour une veillée. Parce que ma Bible me dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous sommes tous chrétiens. Nous ne devons pas du tout avoir peur
de la puissance de l'ennemi. Non, nous ne devons pas. Chérie. Oui, bébé. Le prêtre était ici aujourd'hui. Oh, c'est super. Oui, ce matin après la messe, je suis allée lui raconter les cauchemars récurrents de Judith. Et il a promis de venir nous rendre visite. Attends, tu parles de celui qui ressemble à un film d'horreur. Chérie, avec des ce monstres n'est qui pas se drôle battent du avec... tout. Chérie, Judith dort à peine la nuit. Et chaque fois qu'elle se réveille le matin, elle est toujours grincheuse. C'est pour ça que je suis allée en parler au prêtre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? De toute façon, il a dit qu'on devrait faire des prières et des jeûnes pour 2 semaines. Quoi? Oui. 2 semaines de grève de la faim? Juste à cause du rêve d'un enfant? Un rêve ordinaire? Ben, voyons. Non, ce n'est pas un rêve ordinaire. Le prêtre a dit qu'il y a probablement danger quelque part et l'ennemi tente de nous faire du mal. Papa, c'est vrai. Le rêve est de plus en plus récurrent et j'ai même déjà peur de dormir. Ma puce. Les enfants font toujours des rêves. Tu n'as pas à avoir peur. Allez. Ok. Vous pouvez jeûner et prier. Mais vous n'avez pas impliqué tous les membres de la famille, ok? Mais chérie... Oh, allez, ne me flatte pas! Papa, je ne compte pas m'affamer pendant 2 semaines à cause de quelqu'un. Va-tu te taire? Vas-tu la ferme? Et pourquoi? Pourquoi devrait-il se taire? Mais laissez-le s'exprimer, bon sang! Pourquoi ne devrait-il pas se taire? Il a le droit de s'exprimer! Allez! De toutes les façons, nous allons effectuer ce jeûne. Et c'est ce qui va se passer. Personne n'y échappera. Vous deux, si vous voulez, vous n'avez qu'à jeûner. Chérie, nous allons jeûner. Nous allons jeûner. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas pour la famille? Qu'en es-tu le danger qui nous menace? Tu vois ce que t'as causé? Papa et maman se querellent à cause de toi. Tu peux me faire finir ton repas. Non, merci. À cause d'un stupide rêve, laisse-moi tranquille. Tu nous obliges à jeûner, à prier. Et en quoi est-ce que je suis responsable? Chérie, chérie, s'il te plaît, viens finir ton repas. Chérie. Chérie. Hein? S'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi ne dors-tu pas? Qu'est-ce qu'il y a? On doit parler. J'espère que ce n'est pas à cause des rêves de notre fille. Hein? Vas-y, dis-moi ce que c'est. Chérie, nous devons suivre les instructions du prêtre. Je veux dire, s'il faut une raison, que ce soit pour la santé mentale de notre fille. S'il te plaît, faisons ces jeûnes et prières. Écoute, tu sais quoi? Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu es si inquiète et tout ça pour rien. Tu appelles ça rien du tout? Voyons! Écoute, le prêtre a raison. Vas-y, tu peux le faire. Jeûne avec notre fille. C'est une bonne chose. Mais laisse Emmanuel et moi hors de ça. Essaie de comprendre. Je vais au boulot, je stresse. Et tu veux que je fasse ce jeûne? Voyons, tu veux me tuer ou quoi, bébé? Mais tu peux, si tu ne peux pas faire de 6h à 18h, tu peux au moins faire de 6h à midi. De 6h à 12h.
Ma chérie, quand mon mari a voulu acheter cette maison, je lui ai dit, chérie, je n'aime pas cet endroit. Je n'aime pas la rue, je n'aime pas ce bâtiment. Il a dit, non, ah, on va occuper la maison. On aura une chambre là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, une autre à l'étage. La maison est spacieuse, elle est grande. Je lui ai dit, tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas une question de la beauté d'une maison. Ok, imagine-toi, une très belle maison à l'intérieur. Mais quand tu regardes de l'extérieur, elle ne ressemble à rien du tout. Quel genre de maison est-ce là? Ça veut donc dire qu'il y a un truc louche dans la maison. Mais la façon... Et il a en plus acheté moins cher. Et les gens ne cessent de venir et se disent, comment peut-on acheter une telle maison à un prix aussi bas? Mais j'avoue que quelque chose taraude mon esprit. Avec tout ce qui se passe actuellement, ton mari ne fait qu'insister. Insister pour rester dans cette maison? Je t'assure. Il veut perdre sa vie ou quoi? Je ne sais pas où. Écoute, ma chérie, je pense que tu n'as pas vraiment joué ton rôle de femme. Je veux dire celle d'une épouse et pas d'une femme quelconque. Car si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi il ne t'écouterait pas. Écoute, je l'ai séduit. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le convaincre, mais en vain. C'est un homme très têtu, donc je le regarde seulement maintenant. Écoute, tu dois faire plus d'efforts et utiliser ton pouvoir de femme. Toutes ces choses, je ne les comprends pas, franchement. Je n'y comprends rien. Judith, j'espère que tu vas bien. Tu m'as l'air inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Joyce, je vis un tas de choses à la maison. Qu'est-ce que c'est? Parle, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Et que dit ton père à propos de tout ça? Il dit que ce ne sont que des cauchemars d'enfants. C'est vraiment grave. Et ta maman alors? Qu'est-ce qu'elle en dit? Ma mère est la seule qui me comprenne et elle est vraiment inquiète par rapport à ça. C'est vraiment très grave. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, ma mère et moi sommes allés voir le prêtre pour qu'il nous dise ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu sais, c'est comme ça que sont les femmes. Que veux-tu? C'est pour ça qu'il ne faut pas te marier. Eh bien, j'ai remarqué que tu aimes beaucoup faire des blagues. Tu sais, des choses étranges se sont produites chez moi. Vrai? Récemment. Tu n'y croiras pas. Est-ce différent de ce que tu m'avais déjà dit? Ma fille a fait un rêve. Un cauchemar. Et ma femme l'a raconté auprès de notre paroisse. Tu connais ce gars Maradona, un truc du genre. Oui. Tu sais ce qui est plus drôle dans tout ça? Ce prêtre est un gars vraiment timbré. Il a dit qu'on devrait faire une grève de la faim de 2 semaines. Tu es sérieux là? Mais je suis sûr que cet homme ne tente pas d'inciter ta femme à faire des dépenses inutiles. Oh non. Je n'y crois pas. Parce que c'est soi-disant, comment on les appelle? Spiritualistes. Si c'est pour jouer. Avec l'intelligence des gens, je t'assure, ils sont très forts. Je te comprends. Mais non, ne va pas dans ce sens. Les prêtres sont différents. Ils ne bossent pas pour de l'argent. Écoute, les prêtres de l'Église catholique ne sont pas payés pour leur service. Ils guérissent, ils délivrent, tout ce truc, mais ils ne sont pas payés. Ils le font pour la charité. Bah, si tu le dis. Écoute, tu sais, quand je pense à ce jeune, tu sais que je ne peux pas. Tu t'imagines? Lève-toi, on y va. Allons dans ce restaurant. Thank you.
Mon père, je veux aller au village demain. Demain? Oui, mon père. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. J'ai reçu un appel que ma mère est malade. Donc, je dois aller la voir. Je vais y passer 3 à 4 jours et je reviendrai. Sœur Tignaret, j'aimerais te dire quelque chose. Ne laisse surtout pas ton cœur être troublé, ok? Amen. Car la Bible dit que la guérison est le pain pour les enfants. Je sais que mon Dieu va te précéder et il guérira ta mère par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ne t'inquiète pas. Ok? Ok, mon père. Sœur, qu'en est-il de ce que je t'ai dit? De ce qu'on avait parlé la dernière fois que je suis venu? Ah, j'en ai parlé à mon mari. Il a dit qu'il ne croit pas en de telles choses, que c'est juste un rêve. Je ne sais quoi d'autre faire. Tu dis que ton mari a dit cela? Oui, mon père. Oh, mon père. Frère Georges, bonjour. Mon père. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, je vais et bien. Et que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci. Eh bien, je suis vraiment très surpris que tu sois là. Oh, c'est la grâce de Dieu. En fait, j'étais dans la... J'aime bien juste ce que tu viens de dire. J'étais dans la salle de bain quand vous êtes arrivé. Ta femme me l'avait déjà dit. Oh, seul bébé. Je suis très content. Chérie, as-tu offert quelque chose à boire au révérend? J'ai voulu lui offrir quelque chose. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Non, sœur Tignaret, je vous en prie, je vous en prie. Ne me peins pas en noir. Je t'ai dit que je n'étais pas là pour quelque chose. Je voulais juste voir le frère Georges. Oh, wow! Je suis béni? Oui, bien sûr qu'il est béni. Parce que j'étais censé le rencontrer dimanche après la messe. Mais il était tellement pressé qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Oh. C'est pour ça que je suis là. Ça va, je le reconnais, c'est de ma faute. J'étais aussi censé vous voir. D'accord. Ouais, j'étais aussi censé venir vous voir dans votre bureau à l'église. Mais... je suis rentré tard. Mais je vais dans la chambre et j'apporte ça tout de suite. Apportez quoi? L'argent pour la taxe de la construction. S'il te plaît, assieds-toi. Je suis fatigué. Écoutez, frère Georges, en fait, je ne suis pas ici pour les fonds quelconques, quel que soit comment vous les appelez. Votre femme que voici m'a parlé de quelque chose. Je lui ai demandé de jeûner et de prier pendant 2 semaines. Mais elle dit que vous n'êtes pas du tout intéressé. Est-ce que c'est vrai? Ah, mon père. Oui, frère Georges. Ce n'est pas comme si je ne peux pas participer au jeûne. Mais comme vous pouvez le voir, je suis une personne très occupée. Ça ne sera pas facile pour moi de faire... un jeûne de 2 semaines. Écoutez, vous savez, j'ai plein de choses à faire au bureau. S'il vous plaît, vous devez comprendre cela. Juste à cause du rêve d'un enfant. Ce n'est qu'un simple rêve. Les enfants rêvent tous les jours. Frère Georges. Ah, Satan est un menteur. Vous appelez cela un rêve ordinaire? Mais mon père, les enfants rêvent tout le temps, voyons. Mon père, vous voyez ce que je vous disais? Allez. J'essaye de lui dire que ce n'est pas un rêve d'enfant ordinaire. Il dit que c'est un simple rêve. Je ne sais pas, s'il vous plaît, parlez-lui. Frère Georges, quand il s'agit des choses spirituelles, tu ne parviens pas du tout à comprendre les choses de l'esprit. Satan est un menteur. Amen. Amen. Satan est un menteur. Amen. Frère Georges, je ressens le danger. Je le ressens dans mon esprit. Ah. Je vois la main de l'ennemi à l'œuvre. Kai. De toute façon, je prierai toujours pour cette famille. Ouais. Ok, allez appeler les enfants et on prie. Très bien. Judith!
Emmanuel! Oui, ma chérie. Combien de temps passeras-tu là-bas au village? 3 à 4 jours. Pourquoi tu le demandes? Juste pour savoir. Je croyais que tu y allais pour les vacances. Et comment allons-nous faire par rapport à la prière? Oh, c'est vrai. Tu commences ton programme demain. Et je commencerai aussi le mien. S'il te plaît, je veux que tu le prennes au sérieux. Tu sais que nous sommes les seuls à le faire. D'accord, je le ferai. Alors, comment est mon make-up? Juste magnifique. Tu sais que ta mère est très belle, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que je suis aussi si belle. Exactement. Tu ne pouvais qu'être belle, ma chérie. Maman? Oui, mon bébé. Combien de temps tu vas faire au village? Ah. Je vais passer de 3 à 4 jours. 3 jours entiers? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mamie ne viendrait-elle pas ici plus tôt? Mamie est trop vieille. Elle ne peut pas être trimballée par-ci, par-là. Hein? Comment je vais survivre 2 jours sans mon maman? Je crois que j'ai une idée. Je vais prendre mes affaires et aller avec toi. Maman te manque déjà? Ne l'écoute pas, le chouchou de maman. Comment je vais m'en sortir pour faire mes devoirs tout seul? Mais je suis là pour t'aider. C'est exactement de ça que j'ai peur. Essayes-tu de me dire que ta sœur ne peut pas t'aider à faire tes devoirs? Je ne veux pas que tu partes, maman, s'il te plaît. Mais maman doit y aller. Je dois prendre soin de mamie. Je te rappelle. Chérie, pourquoi tu fais cette tête? Ouais. Chérie, tu sais, tu ne m'as vraiment pas dit que ton voyage si urgent. Tu ne m'as vraiment pas dit quand est-ce que tu reviens. Ah, pourquoi tout le monde me demande quand est-ce que je vais rentrer? Je t'ai dit que je comptais juste faire 3 à 4 jours et je reviens. N'es-tu pas fatiguée de voir ta femme? Hé, hey, pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça? C'est quoi votre problème? Ma femme ne peut plus me manquer, c'est ça? Je sais pourquoi elle est encore là. Écoutez, vous devez vous occuper de vos oignons, ok? C'est ma femme adorée. Et je l'aime. Chérie, il y a un truc que je veux te dire. Quoi? Et promets-moi que tu le feras. Pourquoi pas? Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi, n'est-ce pas, chérie? Ok. Je veux que tu appelles le prêtre. Par rapport à ce dont on a discuté. Chérie, essaye de l'écouter, s'il te plaît. Promets-moi que tu l'appelleras. C'est ce que tu veux que je fasse? Ok, promis, je le ferai. Merci. Ça va, tu es contente maintenant? Quelqu'un vient juste d'obtenir ce qu'elle voulait. Je suis trop contente. Ouais, c'est ça. Vous allez tous me manquer. Prends son sac. Donne-moi mon sac. Merci pour ton aide. Prends soin de ton frère. T'es sûre d'avoir pris tout ce qu'il te faut? Oh oui, chérie. Ne t'inquiète pas pour ça. Oh... s'il vous plaît, assurez-vous de prendre soin de votre père. D'accord, les enfants? Je croyais que tu voulais me dire quelque chose. Oui, je voulais te raconter le rêve que je ne cesse de faire. Ce rêve ne cesse de revenir. Chaque fois que je ferme les yeux, c'est la première chose que je vois. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a que ma mère et moi qui cherchons une solution. Et mon père ne veut rien savoir de tout ça. Pour lui, ce n'est qu'un simple cauchemar. Et dans ce cauchemar, mon père, Emmanuel et moi sommes assis au salon, regardant un film. Ok. Puis je sens le besoin de me soulager. Je me rends de ce fait aux toilettes. Mais Emmanuel se rend avant moi. Quand j'arrive à la porte, je découvre que la serrure de la porte est fermée de l'intérieur. Okay. J'essaye donc de l'ouvrir en vain. Okay. Mais avec insistance, je réussis, je trouve Emmanuel allongé au sol mort. Seigneur Jésus. Et lorsque je viens
dire à mon père ce qui s'est passé pour qu'il m'aide. Je le retrouve avec la gorge tranchée. Seigneur Jésus. Je ne sais pas quoi faire. Je suis très inquiète. As-tu vu le prêtre? As-tu parlé au prêtre? Non, pas encore. Je t'ai dit que ma mère a voyagé. J'attends qu'elle revienne. Et ton père alors? Mon père ne veut rien entendre à ce sujet. Il est au courant de tout, mais il refuse de me croire. Pour lui, ce n'est rien d'autre qu'une blague. Mais tu dois faire quelque chose à propos de ce rêve. On verra ça quand maman va revenir. En effet, on ira voir le prêtre et il nous dira certainement ce qu'il y a lieu de faire. Tout va bien, au nom de Jésus. Amen. Salut, monsieur Obika. Hey, comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien, merci. D'accord. Et mon amie, elle n'est pas venue avec vous? Oh, elle est partie pour quelques jours au village. Ok, je suis contente de vous voir. Bien, je suis contente de vous voir aussi. Comment se porte votre famille? Par la grâce de Dieu, tout le monde. Et votre mari? Oui, il va bien. Est-il revenu de voyage? Pas vraiment, mais nous avons causé au téléphone hier. Ok, c'est bien, oui. Ça c'est bien. Monsieur Obika, il y a un truc dont je voudrais qu'on parle. Quelque chose là, dont votre femme... Oui, oui. Quelque chose dont votre femme m'a parlé. Quelque chose que ma femme vous a dit? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est au sujet des constants cauchemars que fait votre fille. Mais pourquoi tout le monde prend cette histoire de cauchemars ou de rêves autant au sérieux? Rien ne cloche. Ma fille, elle a juste fait un rêve, ce qui est tout à fait normal. Monsieur Obika, il ne s'agit pas d'un simple rêve d'enfant, comme vous le dites. C'est plus grave que ça. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous fassiez le jeûne et la prière de 14 jours que le prêtre a donné à votre famille. Tout le monde ne cesse de parler de jeûne et de prière de 14 jours. Écoutez, le jeûne n'est pas obligatoire. Si on veut, on jeûne. Si on ne veut pas jeûner, alors personne ne nous tuera pour ça. Et qu'en est-il de votre fils Emmanuel? Pourquoi ne fait-il pas le jeûne et la prière? C'est son choix. On ne peut pas piétiner les droits d'un enfant. Il a ses propres droits. Donc s'il veut jeûner, alors il jeûnera. Et s'il ne veut pas jeûner, alors on ne va pas le forcer. Monsieur Obika, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous m'écouter un instant? Je vous écoute. Ok, je suis tout ok. Merci, monsieur. S'il vous plaît, j'aimerais que vous êtes le chef de votre famille et je ne pense pas être celle qui doit vous dire comment diriger votre famille. Vous le savez mieux que moi. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de rassembler votre famille afin de faire ce jeu. Je sais comment
gérer ma famille, madame. Ok? Saluez votre famille. Ok. Saluez mon ami. Joy? Joy, ma puce? J'arrive. Ok. Un instant, j'arrive. Ok. Pardon, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Ok. Chérie. Quoi de neuf? Je vais bien. Quand je te vois ici aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un truc. Oui. Alors raconte, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Judith. Judith, qu'est-ce qu'elle a? J'étais chez elle la semaine passée et elle m'a fait comprendre qu'elle voyait plusieurs esprits dans la maison. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'elle est possédée. Chérie. Sérieux? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Comment peut-elle dire qu'elle voit plusieurs esprits dans la maison alors que sa famille est là? Cynthia, il y a plusieurs types de personnes dans ce monde. Des esprits différents. Ma chère amie. Des visions différentes. Chacun a ce qu'il a rapporté du paradis. J'espère qu'elle ne t'a pas donné la sorcellerie. Ah, il n'y a pas de problème. Si elle me la donne, on partagera. Ne sommes-nous pas amis? Toi et moi? J'espère qu'elle ne t'a pas donné la sorcellerie. Mais pardon. Arrêtons ça. Changeons de sujet. Toi et tes histoires. Tu prépares toujours des histoires avant de venir me voir. Tu adores créer des genres de sujets. Oui, qui est-ce? J'arrive. Salut. Salut, chérie. Quoi de neuf? Ça va? En parlant du loup. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On parlait de ce que tu m'as dit la semaine dernière au sujet du rêve. Hein? Oh mon Quoi? Dieu, je suis rougie. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, oh. Comme vous êtes chez moi aujourd'hui, alors je vous sers quoi, les filles? Les spaghettis. Pareil, pour ne pas te déranger. C'est même très bien parce que je ne compte rien faire. Encore moins cuisine. Non, tu blagues. Tu cuisines pour toi? Tu cuisines en haut? Jamais. Mince. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne te le fais pas. Je n'en reviens pas. Vraiment. Cette fille a du toupet. Je t'assure, elle a vraiment du toupet. Attends. Attends, tu m'as dit un truc aujourd'hui, à la bibliothèque. Un truc du genre, tu continues à faire des cauchemars? Ah, c'est pareil. Comment ça? J'ai refait le même rêve. Ah. Je ne sais même plus quoi faire. Comment est-ce que quelqu'un peut faire le même cauchemar chaque jour? C'est sérieux, je ne sais pas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois trouver une solution à ce problème. Je suis consciente. C'est pour cette raison que je voudrais que vous m'accompagniez chez le prêtre. Ah, vraiment, c'est le problème ici, c'est mon père. Le problème, c'est mon père. Il refuse de m'écouter. Je ne fais que lui dire que ce cauchemar ne fait que continuer. Il me dit que ça passera. Que c'est juste un cauchemar pour enfants, que ça me passera. C'est pour cette raison que moi-même, j'ai besoin de rencontrer le prêtre. Tu ferais mieux d'aller voir ta mère. Ma mère ne peut que faire de son mieux. J'en ai plus que marre de ce cauchemar. Vite. Allons-y. Je n'aime vraiment pas ce film. Il n'est plus intéressant. Papa, regarde encore. C'est laid. Ça me déplaît fortement. Si tu ne veux plus regarder, tu n'as qu'à aller dans ta chambre. Tu es censé gêner pourtant.
Les enfants, s'il vous plaît, taisez-vous. Et laissez-moi regarder ce film. Je vous en prie. C'est mieux que tu ailles dans ta chambre avant que tu ne recommences à faire tes rêves bizarres ici. Oh, les enfants, allez, taisez-vous. Ne me parle pas de la sorte. Je vous ai demandé de vous taire. Laissez-moi regarder ce film en paix, s'il vous plaît. Allez. Hé, hey, toi, où est-ce que tu vas? Je veux aller me soulager aux toilettes. Ah ah, Emma! Ouvre vite cette porte! Que se passe-t-il là-bas? Papa, ce n'est pas Emmanuel, je veux entrer aux toilettes et il est entré avant moi. C'est bon. Emmanuel! Oui, papa? Je t'ordonne de sortir de cette pièce dans 30 secondes. À défaut de quoi, je vais te battre jusqu'à ce que tu dormes. Pour la dernière fois, je vous rappelle encore, s'il vous plaît, de bien vouloir baisser vos voix. Il est tard. Il se fait vraiment tard. Et les gens dorment. Si seulement votre mère était là, pour m'aider à vous mettre tous les deux au lit. C'était quoi ça? Quoi? Papa, tu n'as pas vu ce qui vient de passer là? Où? Quelque chose vient juste de passer comme une ombre. Je crois que tu as vraiment sommeil. Oh! Mais cette coupure de lettres, ça ne peut pas me laisser terminer mon film en paix! Putain! Papa? Oui. Je vais aller voir ce que fait Emmanuel aux toilettes. Oui, vas-y, fais comme tu veux. Papa, ça fait maintenant un bon bout qu'il est aux toilettes. J'arrive. Heureusement qu'ils ont rétabli l'électricité. Emmanuel, qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il là-bas? Papa, Emmanuel s'est enfermé à l'intérieur. Oh. Emmanuel? Emma? Emmanuel, ouvre! Lâche cette porte, allez, attends. Emmanuel! Emmanuel! Allez, sors de là tout de suite! Emmanuel! Va prendre les clés dans ma chambre, s'il te plaît, ramène-moi. Emmanuel! Oh non, mon Dieu! Non! 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 Non, c'est bon. Papa, s'il te plaît, dis-moi, où est Emmanuel? Viens, je veux le voir maintenant. Papa, où est-ce qu'il est? Va à l'étage, va à l'étage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Désolée. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment dommage. J'ai appris la nouvelle par quelqu'un d'autre. Et que s'est-il vraiment passé? Vous savez quoi? Je suis confus. C'est bon. Je suis confus. J'ignore vraiment ce qui s'est passé. Désolée. Monsieur, c'est... C'est bon, ne soyez pas trop dur avec vous. Est-ce qu'on pourrait aller dans mon bureau? Après vous. Oh. Oh. Ça va aller. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ça va aller, monsieur Obika. Avancez.
va aller, calmez-vous. On fera de notre mieux pour savoir ce qui s'est passé. Ah, ah, qu'est-ce que j'entends là? Monsieur Obika? Oui. Emmanuel est mort? Ce n'est pas possible. Non, non, ne me dis pas ça. Que se passe-t-il ici? Monsieur Obika? J'ai juste envie de me faire du mal. Je suis confus. Madame Obika. Je suis mal. Ça va aller. Je suis mal. Ce n'est pas juste. Je suis vraiment dévasté. Je suis mal. C'est qui? Bienvenue, mon père. Que la paix des dieux soit dans cette maison. Amen. Homme de Dieu. Bon après-midi. Notre révérend père, Maradona, n'a pas pu venir. Il avait une messe. C'est pour ça que je suis là. Sois le bienvenu. Merci. Je vais prêcher. Veuillez vous asseoir. Ma sœur. Ma sœur. Sois forte et courageuse. Merci, ça va aller. Pasteur. Frère Georges, veuillez vous asseoir. Soyez fort, mon frère. Pour le repos de l'âme d'Emmanuel, nous allons prier. Ça va aller. Que la consolation du Saint-Esprit soit avec vous. Prions. Notre Père, j'espère qu'il y a la sécurité. Il y a tout là-bas. Il y a la sécurité. L'eau, tout, l'électricité. Il y a vraiment tout là-bas. La maison est vraiment complète. D'accord. Oui. Ça me rassure. J'espère que vous n'êtes pas fâché parce que je pose trop de questions. Parce que la sécurité dans notre pays de nos jours est désastreuse. Non, mais pas du tout. Pourquoi serais-je fâché? Vous me payez. D'accord. Je travaille pour vous, vous me payez. Ce que je sais, c'est que je dois vous trouver une meilleure maison cette fois-ci. Oui. Quoi? C'est un truc normal. Chérie, ce n'est pas un truc normal. Ce n'est pas normal. Quand je t'ai dit de ne pas acheter cette maison minable, depuis qu'on a aménagé dans cette maison minable, on n'a que des problèmes. Qu'y a-t-il? Chaque jour, ma fille ne peut même plus dormir. Tu traites cette maison de minable? Oui, c'est une maison minable. Tout ce palais, j'ai fait tout ceci pour toi et tu traites cette maison de minable? Voyons, qu'est-ce que cela a à voir avec le rêve de l'enfant? De toute façon, il n'y a pas de problème. Demain, j'irai voir le prêtre. C'est une chose très horrible qui est arrivée à Emmanuel. Emmanuel était un jeune garçon plein de vie. Et sa vie a été juste... Je ne parviens pas du tout à comprendre. Où est-ce qu'il... Allons, sœur Chinere. Mon père, la façon dont il est mort était horrible. Vraiment trop horrible. Ouais. Judith?
Oui, mon père. Que tout s'est passé, comme dans tes rêves. Oui, oui, mon père. Oh, Dieu. Sœur Tinieré. Mon père. Tu sais ce que je t'ai dit. Est-ce que ta famille a-t-elle fait le jeûne et la prière? Mais mon père en priait. En priait. Allez, calme-toi, sœur Tinieré. Ce n'est pas du tout le moment de pleurer. Est-ce que tu m'entends? J'ai de la peine pour toi. Je compatis. Écoute-moi très bien. Si tu crois que je ne compatis pas du tout avec toi, alors tu te trompes. Je compatis sincèrement avec toi. Je t'assure. Mais tout ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai demandé à la famille de le faire, est-ce que votre mari ainsi que vos enfants, je veux dire, est-ce que toute la famille a-t-elle pris part? Non, mon père, c'était juste ma mère et moi. Juste tous les deux? Oui, mon père. Sœur Tinieré, comment est-ce possible? Pourquoi les hommes de la maison... Pourquoi les hommes de la maison n'ont-ils pas participé à ce jeûne et prière? Je vais vous dire, sœur Tinieré. L'obéissance tardive est très dangereuse. Et ne même pas obéir du tout est encore pire. Mais mon père, on priait. Mais mon mari a dit qu'il ne le ferait pas. Je n'ai pas su quoi faire. Écoutez, je vais te dire exactement ce qui s'est passé, sœur. Tu vois, la dernière fois, lorsque vous étiez en train de prier à la maison, Dieu a ouvert mes yeux pour me montrer quelque chose. Mon père, qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Sœur Tinieré, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir le malheur. J'ai vu le malheur dans cette famille. Mon père, qu'est-ce que ça signifie que vous voyez le malheur dans cette famille? Oh oui, sœur Tinieré. Votre famille est la prochaine. Ah. Mais néanmoins, je vais continuer à prier pour cette famille. Et pour mon mari. Sœur Tinieré, laisse d'abord ton mari tranquille. Dieu va s'occuper de ton mari. Amen. Ok? Amen. Sois juste forte avec ta fille. Et laisse le reste. Dieu va s'occuper de tout ça. Amen. Fais simplement ce que tu peux à ton niveau et laisse tout le reste. Laisse ton mari tranquille. Allez, allons-y. Nous allons prier. Donne ta main. Au nom de Jésus, je prie. Ce prêtre, je crois vous avoir averti, je vous ai dit de ne plus jamais vous approcher de ma maison. Mon père, n'est-ce pas le frère Georges? C'est bien. C'est qui lui. Ça? C'est le frère Georges. Et la ferme, s'il te plaît, dis à ce petit garçon, ou bien c'est père Moïse, ou peu importe son nom, de fermer sa gueule quand je parle. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Arrête. S'il te plaît. Écoute-moi bien. Si je te vois, encore une fois de plus près de chez moi, je vais te tirer dessus. Frère Georges. J'en ai fini avec toi. Frère Georges, je vous en prie. Frère Georges, frère Georges, est-ce que vous... Mon père, je crois que le frère Georges a besoin de prière. Je le crois vraiment, il a besoin de venir à la raison. Oui. Oh. Oui, il a vraiment besoin de prière. Je sais que notre mère Marie finira par intervenir. Oui. Elle finira par intervenir. Oui. Que le Seigneur soit avec lui. Amen. Ouais, je pense qu'on doit parler de ça. Allez, allons-y. Une fois l'église, on en parlera. Allons-y. J'aimerais que tu me dises un truc. Tu m'entends là? Tu me connais très bien. Tu me connais. Et tu sais très bien que je ne suis pas ce genre de prêtre. Révérend, je sais que vous vous souciez tellement de leur famille. Oui, je ne sais même pas. C'est de la même chose dont nous parlons. Tu me comprends très bien. Oui. Mais la façon par laquelle le frère Georges est en train de le prendre, j'en ai juste vraiment marre. Est-ce que tu m'entends?
Comment peux-tu conseiller à quelqu'un de faire quelque chose et il n'a même pas la volonté du tout d'obéir au Saint-Esprit? Ah, eh bien, ce que je pense de cela, c'est que je pense que peut-être on doit faire des prières pour lui et sa famille, parce qu'au vu de ce qui se passe, les choses sont en train de déraper. Qu'est-ce que vous en dites? Tu es dans l'esprit, révérend. Mais permets-moi de te choquer. J'ai déjà contacté les guerriers de prière. Ok, très bien. Pour qu'ils jeûnent et prient pour cette famille. Non, mais tu peux comprendre ça? Regarde ce qui vient tout juste de me faire là. Ah, j'étais surpris. Sérieusement. Ah, J'étais choqué. Est-ce qu'il était sous? Qu'est-ce qui s'est passé? M'interdire, moi, le révérend père Maradona, de ne plus venir dans sa maison, ainsi que de mettre pied partout où il se trouve. Je pense que vous venez de dire qu'il lui faut plus de prières. Vous savez, En fait, je ne sais pas quoi dire. Commissaire, je suis là pour savoir à quel niveau vous en êtes avec l'enquête sur la mort de mon fils. Car la dernière fois, vous m'avez promis que vous ferez tout ce qui est possible pour arrêter le coupable qui est à l'origine de la mort de mon fils. S'il vous plaît, arrêtez ce meurtrier. Monsieur Obika, votre problème est assez compliqué. Si vous n'étiez pas mon ami, vous auriez été la première personne que j'aurais mise derrière les barreaux. Quoi? Et ensuite votre fille. Hein? Oui, parce que les enquêtes disent qu'il n'y avait personne d'autre sur la scène, dans votre maison. Vous voulez dire que vous m'auriez appréhendé pour la mort de mon propre fils? Oui. C'est n'importe quoi, ça. Ce n'est pas une blague, là. Et la raison pour laquelle vous êtes encore assis devant moi, c'est parce que votre déclaration et celle de votre fille concordent. Sinon, vous ne seriez pas assis devant moi. De toute façon, alors j'enverrai quelqu'un dans votre maison pour la sécurité. Donc vous serez en sécurité. Vous voulez dire que vous m'aurez fait arrêter? Oui, bien sûr. Pour la mort de mon propre fils? Oh, voyons. Écoutez, commissaire. Vous devez faire tout votre possible pour arrêter la personne qui a tué mon fils. Monsieur Obika, comme je vous l'ai tantôt dit, c'est votre devoir de faire ça. C'est mon devoir, alors permettez-moi de faire mon job. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, parce que je ferai de mon mieux pour faire en sorte que toute cette histoire soit élucidée. Que la paix soit dans cette maison. Frère Georges? Sœur Tignéret? Sœur Tignéret. Tu sais, j'aimerais savoir quand est-ce que ton mari sera de retour. Je ne suis pas à l'aise de rester dehors à cette heure. Regarde quelle heure il est. Je comprends, mon père. De toute façon, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là. Idiot. Il n'a pas l'habitude de rentrer tard, mais je pense qu'il rentrera bientôt. Eh bien, j'espère qu'il va bien et qu'il rentrera très vite à la maison. Georges? Frère Georges, bonsoir et bienvenue. Georges, quand as-tu commencé à boire? Là, ferme!
Je crois vous avoir dit de ne plus venir dans cette maison. Que faites-vous ici? Ah, frère George, écoute, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Calme-toi, ok? Calme-toi. Ne me dites pas de me calmer. Parce que c'est vous qui avez tué mon fils. Comment peux-tu accuser le prêtre d'avoir tué notre fils? S'il y a quelqu'un à accuser, c'est toi. Je t'ai dit de te taire. Je vois comment tu vois les choses. Frère George. Je vois ce qui se passe exactement dans cette maison. Frère George, je vous en prie. Levez-vous. Et sortez immédiatement de chez moi. Papa, s'il te plaît. Même toi, ma fille. Tu as oublié Emmanuel? Frère George, si j'étais à votre place, j'écouterais ma femme et ma fille. Levez-vous et sortez de chez moi. George! Avant que je ne fasse quelque chose que vous n'oublierez jamais de toute votre vie. Ah ah! Ok. Mon père. Attends, reste assis, s'il te plaît. Sœur Tignere, calme-toi un peu, s'il te plaît. Frère George, tu me demandes à moi, révérend père Saint Maradona, de sortir de chez toi? Que ce soit Saint Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu traiter un homme de Dieu de la sorte? Maman, c'est bon, calme-toi. Non. Ça va, maman, calme-toi. Va t'asseoir. Maman, okay, je t'en prie, okay. Calme-toi. C'est quoi ton problème? Ça va aller, maman, calme-toi. Tu n'étais pas comme ça quand je t'ai épousé. Je vois tout ce qui se passe. Et oui, je sais. Même si tu me dis quoi, ce prêtre et toi, vous sautez ensemble. Tu peux pas me tromper. Tu vas me dire ce que tu fais avec ce... Tu peux imaginer ce que j'endure. Hein? J'ai perdu mon fils. Tu connais? Madame Chica? Chica. Madame Chica, la okay, commissaire. La commissaire. Tu ne croiras pas que Madame Tika m'a dit qu'elle m'aurait sûrement enfermé pour la mort de mon fils. C'est une blague ou quoi? En fait... Ça doit être une blague. Je tombe vraiment des nues. Elle a même dit que, n'eût été le fait qu'elle me connaît très bien, elle m'aurait pris comme le premier suspect et ma fille comme le second suspect. Tout ça à cause de la mort de ton propre fils. Mon propre fils. C'est vraiment terrible, ça. Tu t'imagines? Bon, tu sais ce que je vais te dire? À mon humble avis, je sais que la police nigériane est très compétente. Oui, je ne discute pas ce fait. Donnez-leur le temps de terminer leur investigation. Ils vont certainement trouver quelque chose de tangible, crois-moi. En effet, tu as raison. Tu sais, elle m'a même dit qu'elle allait envoyer des éléments chez moi pour garder ma famille. Elle se dit que le coupable est quelque part, tu vois, en attendant de frapper. Donnez-leur du temps. Allons ailleurs. Ainsi va la vie. Judith? Il n'y a personne. Judith? Comment peut-elle laisser la porte ouverte? Judith? Il y a quelqu'un? Judith? 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 Où est mon père? Où est ta mère? Elle est sortie à peine un moment. Ok, d'accord. Quand elle reviendra? Dis-lui que je voudrais la voir, ok? Ah, il n'y a personne à la maison. Et ils ont laissé la porte grandement ouverte. Je l'appelle. Mon père, excusez-moi, je vais répondre à cet appel. Oui. Ok, d'accord, tu peux le prendre.
Allô, Cynthia? Allô, Judith? Où est-ce que tu es? Chez toi, bien sûr. Tu as dit chez moi? Je ne t'ai pas demandé de venir. Je ne comprends pas. Comment peux-tu parler de la sorte? Je suis chez toi. Ah ah, je ne me souviens pas t'avoir dit de venir chez moi. Tu m'appelais tout à l'heure en me disant de venir chez toi. Cynthia? Allô, Cynthia? Allô? Allô? Ouvrez la porte, je suis à l'intérieur. Oh! Il y a quelqu'un? Oh! Ah! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Cynthia? Ah! Maman? Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ah! Ouvrez la porte! Ouvrez! Ah! Je t'assure. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Évite de toucher à ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ah ah. Que se passe-t-il ici? Allô, Monsieur Obika. Hey, Félix, comment vas-tu? Mais qu'est-ce que j'entends là? Ça devient déjà scandaleux. Oui, je viens de recevoir un appel maintenant et ma femme m'a dit que Cynthia a été retrouvée morte dans mon appartement. Pour l'amour de Dieu, comment a-t-elle pu entrer dans mon appartement? Ma femme m'a dit que tout était fermé. Ne penses-tu pas que ce que ta femme et ta fille tu disais, c'était la vérité? Allez, voyons, Félix. Ne me dis pas que tu commences à croire à ces choses, à ces trucs superstitieux. Que veux-tu dire? Ça pourrait être une coïncidence. Oui, sa mort semble mystérieuse, mais ça pourrait être une coïncidence. Oui. Quoi? Que je déménage une maison que je viens d'acheter? Allô? Toi, tu es allé frapper la femme de quelqu'un. Tu vas pourrir en prison pour ce que tu as fait. Non, madame, je ne l'ai pas tapé. C'est elle qui a mis la main sur moi. Madame, je suis foutu. Je suis foutu, oh. Madame, ce n'est pas moi, oh. Madame, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, oh. Madame, je ne l'ai pas tapé, oh. Oh. Bonjour, Monsieur Obika. Qu'y a-t-il encore? Quand je suis venu, j'ai vu que vous étiez occupé. Oui. Ouais. Je suis venu voir votre commissaire. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Elle a dit que vous elle a dit que vous n'avez pas appris ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon fils.
J'aimerais la voir. D'accord. Je reviens tout de suite. Où est mon chef? Chef, nous faisons tout notre possible pour amener le suspect à avouer. Oui. Oui, nous sommes en train de l'interroger pour l'amener à avouer son crime. Oui. Oui, chef. Ok, merci. Ok. D'accord, d'accord. Ok, merci, chef. Bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous? Bien, madame. Un homme vient d'arriver. Il dit s'appeler Monsieur Obika. Puis-je le faire entrer? Monsieur Obika? Ok, faites-le entrer. C'est bon. Vous pouvez y aller maintenant. Merci. Je vous en prie. On se voit plus tard. Ah ouais, je te rappelle. Bonjour. Bienvenue. Veuillez vous asseoir. Seigneur. Commissaire. Oui. Je dois être franc avec vous. Je suis vraiment confus. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Lorsque mon fils est mort, vous m'avez promis de faire tout votre possible pour appréhender le coupable qui est venu chez moi assassiner mon fils. Vous avez même mis des policiers autour de ma maison. Malgré tout cela, quelqu'un est quand même entré chez moi et a assassiné l'ami de ma fille, Cynthia. Comment expliquez-vous cela? Monsieur Obika, je vous comprends parfaitement bien. Je compatis avec vous. Et nous faisons de notre mieux pour découvrir qui est le suspect. Vous savez, c'est vraiment dommage que les gens que nous avons arrêtés soient les mauvaises personnes. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes à l'œuvre. Nous nous assurerons d'arrêter le coupable. Que vous ayez raison ou pas. Et voilà, je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est que vous êtes mon ami. Vous me connaissez très bien. Je m'attends à ce que vous fassiez tout votre possible pour arrêter le meurtrier. Oui, je vous connais très bien, mais pas dans cette affaire. Je suis en service. Et tout ce que je vous demande, c'est de nous donner encore un peu de temps pour arrêter le coupable. Je suis vraiment désolée. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Je vous promets, nous vous recontacterons. Comme vous le voyez, je suis occupée. Seigneur, comment les choses en sont arrivées là? Ma famille a été jetée dans la confusion et la tristesse. Mon fils est mort. Mon mari est devenu un alcoolique. Seigneur, viens à mon secours. Ma fille est désorientée. Où ai-je fauté, Seigneur? Mon mari Georges, plus que jamais, refuse de faire les prières. Quand est-ce que ma vie est devenue aussi horrible, Seigneur? Père, je n'ai jamais douté de toi. Je n'ai jamais douté que tu vois les souffrances de tes enfants. Je n'ai jamais douté que tu écoutes nos prières. Je n'ai jamais douté que tu réponds aux prières. Père, pitié, aide-moi. Aide mon mari. Aide ma fille. Mon père, aide ma famille. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur.
Ah, Madame Obika, pourquoi appelle-t-elle à cette heure de la nuit? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Allô, Madame Obika. Allô, Monsieur Félix, bonsoir. J'espère que tout va bien. Oui, nous allons bien. S'il vous plaît, avez-vous vu mon mari? Vous voulez dire qu'il n'est pas encore rentré du travail? Il n'est pas encore rentré, oui. Il n'est pas avec vous? Ah, mais il rentre rarement tard. Monsieur Obika, que je connais, marche très peu dans la nuit. Calmez-vous, calmez-vous, ça va aller, ça va aller. Je vais essayer de vérifier dans un ou deux endroits, d'accord? Où je sais qu'il se rend souvent. Ok, sans problème, merci. C'est d'accord, merci. D'accord, merci beaucoup. Je vous recontacte. Soyez-en sûr. Ils pensent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils veulent éliminer ma famille. Ah ah, Chuck. Oui? Comment tu vas? Bien. As-tu vu mon ami, Monsieur Obika? Dieu merci que vous soyez là à temps. Ah ah. Votre ami a bu beaucoup trop de bière. Tu es sérieux? Très sérieux, monsieur. Où est-il? Il est par là. J'y vais le voir. Merci, monsieur. Ma vie est belle. Ah, Monsieur George. Que fais-tu là? Ah, Monsieur Félix! Non, non, non. Depuis combien de temps es-tu là pour boire toutes les bières? Des bières? Assois-toi et buvons plus de bières! Ta femme m'a dit que tu devenais fou. Et c'est ce que je vois. Tu sais, mon fils a été tué. Tu le sais, ça? Bien sûr que je le sais. C'est le prêtre qui a tué mon fils. Et même l'ami de ma fille est morte mystérieusement. Ce n'est pas de ta faute s'il est mort. Choses arrivent. Ça peut arriver. C'est de ma faute. Tu sais, l'ami de ma fille est morte mystérieusement. Ça va, c'est bon. Tout va s'arranger. Assois-toi. Non, lève-toi, on y va. Assois-toi. Allons-y. Allez, on y va. Laisse-moi. Je suis debout. Je ne vais pas me fâcher contre toi, tu sais. Ok. George? George? George, tu dois arrêter de boire. L'alcool ne résoudra pas nos problèmes. Ça ne ramènera pas notre fils. George. Dans des moments pareils, nous devons croire en Dieu. C'est le seul qui peut nous faire traverser ceci et nous faire sortir victorieux. Qu'est-ce que tu viens de dire, juste à l'instant? Qu'est-ce que tu viens de dire là, madame? As-tu appelé le nom de Dieu? Attends, tu parles du même Dieu qui a laissé que notre fils soit tué? Mystérieusement et horriblement. Allez. Mais de quel Dieu est-ce que tu parles? Ce même Dieu qui savait à quel point nous aimions notre fils. Mais il a permis que notre fils soit tué de façon horrible par un inconnu. Et s'il te plaît, ne me parle plus jamais de ton Dieu. George,
Notre Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de ses enfants. Dieu est un bon père. Mais c'est quoi ça? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. On doit faire quelque chose avant que tout ça ne dégénère. Pitié, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Sœur Tignaret, je suis vraiment très mal à l'aise tous ces derniers temps. C'est pourquoi je suis ici. Je vous en prie, je suis ici pour prier pour cette maison. Tu me manques, fiston. Nous prions. Mais, sœur Tignaret, où est ton mari, le frère Georges? Mon père, depuis qu'Emmanuel est mort, il reste dans la chambre d'Emmanuel. Il ne sort pas, il ne parle à personne. Il boit comme un trou et il s'enferme dans sa chambre. C'est ce qu'on vit ici depuis lors. Tout ira bien, sœur Tignaret. Amen. Le diable est un menteur. Est-ce que tu peux demander à ta fille d'aller l'appeler? C'est important, s'il te plaît. Bien sûr, pas de problème. Va l'appeler. D'accord, maman. Dis-lui que le prêtre veut le voir. Pourquoi? Je te comprends, papa. Mais tu ne peux pas rester là à ne rien faire. Quel que soit le truc qui a tué Emmanuel, il le fera encore. Et on doit être prêt quand il le fera. Oui, tu as raison. Tu te souviens quand je venais dans cette chambre et je le trouvais en train de jouer au piano ou à la guitare? Et je lui disais, hey, tu dois étudier. Tu dois étudier car toi et ta sœur seraient ceux qui vont gérer notre entreprise familiale. Et maintenant, les parties. Maman a demandé que je vienne t'appeler. Le prêtre est là. Nous devons vraiment prier. Descendons maintenant. Tout à l'heure. Tu es parti. Tu es tout ce que j'avais. Pourquoi vais-je continuer à vivre?
Alors, où est-il? Il a dit qu'il arrive. Il arrive? Ok. Sœur Tignaret, je vous en prie, tenez la main de votre fille. Ok. Ok. Comme ça, nous prions. Par le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Hé, c'est ça, Tignaret, c'est ça, Tignaret. Allez, venez, continuez à prier. Qu'est-ce que c'est? Papa, ouvre la porte. Chérie? Papa, s'il te plaît, ouvre la porte. Frère Georges, ouvre la porte. Frère Georges. Chérie, que se passe-t-il? Ouvre la porte. Papa, ouvre la porte. Chérie. Frère Georges. Chérie. Chérie. Hey. Ça va aller. Ne le touchez pas. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Seigneur, Seigneur, je t'en prie, sauve-le. Seigneur, je t'en prie, sauve-le. Sauve mon mari, Seigneur. Sauve mon mari. Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, sauve l'âme de ton fils au nom de Jésus. Ressuscite-le au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a pu faire dans sa vie est brisé par le nom de Jésus. Ressuscite-le au nom de Jésus. Réveille-le au nom de Jésus. Pose ta main sur la vie de mon mari, Seigneur. Jésus, réveille-le. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient. Oh Seigneur. Oh Seigneur, pose la main. Amen. Seigneur, merci. Papa. Tiens son nom. Levons-le quand il va se coucher sous son lit. Allez, allons-y. Okay. C'est ce que je vous disais depuis. C'est ce qui a causé sa mort. Merci, mon père. Ça va aller. Voilà pourquoi j'ai envoyé le révérend père Jude pour me représenter. Mais, comme je dis, tout va bien. Sœur Tignaret? Oui, c'est mon père. À prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman? Maman? Judith? Maman? Judith?
Quand je t'ai dit de ne pas acheter cette maison minable, tu... Depuis qu'on est aménagé dans cette maison minable, on n'a que des problèmes. Quoi? Sœur Tignéré, nous devons prier. Oui, nous devons prier. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Docteur! 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 Infirmière! Que se passe-t-il? Je l'ignore. Monsieur Georges, comment vous sentez-vous? Non, laissez-moi! Je dois partir! Calmez-vous. Essayez de vous calmer. On essaye de vous soigner pour que vous retrouviez votre famille. Faut que je parte. Ma femme est en danger, je dois partir, laisse-moi partir! Surtout ne vous agitez pas! Monsieur Georges, attendez, vous allez vous... Laissez-moi! Tenez, attrapez ça, infirmière! Monsieur Georges, revenez, revenez! Monsieur Georges! Revenez! Ne partez pas! Ma femme est en danger! Sécurité! Ah, infirmière! Infirmière! Vous êtes surprise de me voir, hein? S'il vous plaît. Vous êtes surprise de me voir? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Vous pensez que ce serait moi là qui l'est? Non. Hein? Non. Maintenant, dites-moi. Allez, dites-moi, que savez-vous de cette maison que vous m'avez présentée? Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que Monsieur Njoko... C'est qui ce Monsieur Njoko? C'est le propriétaire de la maison. Et c'est un sectaire. Il donnait souvent du sang. Du sang humain aux démons dans cette maison. Ah. Et par la suite, quand il ne donnait plus, quand il ne donnait plus du sang à la maison, le démon l'a transformé en suceur de sang. J'écoute, parlez. Et c'est ainsi qu'on m'a appelé et demandé d'être agent de cette maison. Par la suite, ils ont tué mon mari. Et ils menaçaient déjà de tuer mon fils. C'est comme ça que j'ai cherché un preneur, car cette maison a besoin de sang. Donc, un nouveau locataire, un nouveau sang à sucer. Donc, c'est moi qui mérite de mourir? Non, non, hein? Non, s'il te plaît. Hey, dans ton... Je vais vous tuer. Maintenant, vous allez me dire comment je me débarrasse de ce truc. Vous allez me dire comment je me débarrasse de cette chose. Ma famille est en danger. Le prêtre qui restait d'abord dans cette maison avant m'a donné quelque chose. Je vais aller la chercher pour venir vous la donner. Prendre quelque chose.
Il m'a donné quelque chose. Mais de quoi parle-t-elle? Oh, vous essayez de m'échapper, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Il m'a donné ça. Donnez-le. Et comment ceci est censé résoudre mon problème? Vous essayez de blaguer avec moi? Non, si vous avez... Je vous avertis! Si vous avez la foi, ça marchera. Quand vous arriverez chez vous, mettez ça sur le démon. Mettez ça sur lui. Prenez le vôtre. Prenez votre rosaire. Vous pouvez le garder. Ne vous payez pas ma tête. Je suis là pour te faire partir de cette famille. Et ma Bible me dit... Amen. Et je suis là pour te neutraliser et de te faire partir d'ici. Va-t'en, démon des enfers. Et maintenant, je te chasse, toi, suppôt de Satan. Et aussi, ma Bible me dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie en toute sécurité. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, toi, suppôt de Satan. Je te contrecarre. Je te contrecarre maintenant. Au nom de Jésus. Je te lis maintenant. Je te lis maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, toi, suppôt de Satan. Mon père! Mon père! Prenez ça! Tenez, prenez! Faites-le! Brûle en enfer! Brûle au nom de Jésus. Brûle! Brûle! Loué sois-tu, Jésus. Loué sois-tu. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. À toi la gloire. Merci. Merci, Jésus. À toi la gloire, oh Jésus. Merci, Jésus. Sois loué. Oh Jésus, que ton nom soit loué. Seigneur, je te dis merci. Loué sois-tu, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. 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 Frère Georges, que le Seigneur continue à te bénir. Merci, mon frère. Pardon, mon père, pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Oui. Oh. Merci mon Dieu, merci.